Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de draft traditionnel Noce Carlade, donc draft en BO3. Voilà, on vous avait dit, si jamais ça plaît, si jamais il y a des bons retours et tout, nous on est chaud de faire peut-être plusieurs sessions de draft par extension. Et là, bah, vu qu'il y a pas mal de temps entre deux extensions avant Kamigawa, bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion, pendant les fêtes et tout. D'ailleurs, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes régalés ou que vous passez encore de bonnes fêtes, hein, parce que c'est vrai que des fois, on fait des repas avec toutes les familles possibles et imaginables pendant des jours, et ça dure peut-être trop longtemps. Donc si vous êtes encore là-dedans, courage à vous. On vous embrasse et on espère que bah, juste vous allez vous régaler pour cette fin d'année avec nos petites vidéos qu'on vous a concoctées. Petit draft traditionnel du coup, Noce Écarlate, petit tips déjà, je vous le dis tout de suite, les bicolorités alliées sont poussées plus que les bicolorités ennemies. Donc bicolorités alliées, c'est... déjà sur quoi on va drafter. Celles qui sont collées sur le dos d'une carte Magic, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc blanc-bleu, bleu-noir, etc. Et les couleurs Célestia, visiblement, sont moins intéressantes. Pour savoir la couleur sur laquelle partir, c'est bien d'éviter de partir blanc ou vert, de ce que j'ai entendu sur la plupart des différents contenus que j'ai regardés. Ok, voilà. De ce que c'est, moi, la couleur noire est la plus profonde et la plus deep, notamment parce qu'elle a de très bons anti-bêtes, pardon, et le gameplay est pas extrêmement rapide. C'est pas mal grindy comme game. L'extension est assez grindy, et c'est fou parce que souvent on juge ça par rapport au drop 2 d'un format draft. Qui va définir un peu, si t'as pas de bon drop 2 ou que t'en as pas beaucoup, bah, forcément tu vas te mettre à jouer au tour 3, donc là ça va naturellement être assez lent, et là je trouve que les tours 2 ils sont quand même assez patato dans l'extension, mais ça n'empêche que le format soit quand même grindy et un peu lent. Bon, ça vous empêche pas de jouer à gros de bourrer un mec, hein, mais c'est pas le but. Tu peux aussi regarder les statistiques des créatures, et on a beaucoup de créatures qui ont de très fortes endurances. Et ça indique aussi un petit peu la vélocité de ton format. Si tu as des créatures qui sont 1-4 assez facilement, ou 0-4 ou 1-3, ça ralentit énormément ton format, qu'importe la puissance des drop 2. Et je trouve que dans ce format-là, il y a beaucoup de très bonnes cartes avec beaucoup d'endurance. Et en plus, dans la mécanique au global, notamment les mécaniques comme les jetons sang, bah, c'est des mécaniques de grind en fait, parce que prendre le temps de recycler tes cartes en main, c'est pas du tout une stratégie agressive. Donc c'est vrai qu'on est sur un format qui est plutôt lent et où les games risquent de durer et où il va falloir battre les ressources de notre adversaire. Exact. Avant de commencer du coup ce petit draft, bah tiens, je vais faire pendant que je lance, bim, jeton de participation. Merci beaucoup à nos sponsors, Play-in by Magic Bazar, code VAL&PL2021 sur leur boutique. Attention, plus que quelques jours, environ 4 jours pour l'utiliser, si vous ne l'avez jamais utilisé, après il ne sera plus bon. Ça nous soutient si vous l'utilisez, merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent du coup. Et si vous voulez payer vos jeux moins chers ou même gagner le jeu de votre choix, ça se passe sur le lien dans la description Instant Gaming. Donc le lien d'affiliation, c'est pour nous soutenir. Si vous achetez vos jeux là-bas, ça nous soutient. Et l'autre lien, c'est un concours qui va du coup finir dans quelques jours normalement et qui vous fait gagner le jeu de votre choix. C'est gratuit, il faut juste mettre votre mail et le jeu que vous voulez gagner du coup. Et si vous êtes sur ressort, bah, vous le recevez gratos. Ça fait plaisir. C'est ça, donc n'hésitez pas à participer, bien évidemment, et à anticiper la confiance. Laissez votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo pour battre l'algorithme YouTube. À chaque fois, vous nous aidez de plus en plus et vous y pensez de plus en plus. Donc merci beaucoup, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne et qui ne sont pas abonnés. Peut-être même que vous la regardez de manière récurrente et qu'elle tombe toujours dans vos recommandations. Si vous commencez au final à être là de manière assez régulière, lâchez-nous un petit follow, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Yep. D'ailleurs, si vous ne voulez pas avoir de notif, vous pouvez aussi vous abonner et ne pas cocher la cloche. Si jamais vous voulez nous soutenir sans avoir les notifs, dites, ah, je ne voulais pas les regarder, mais je les aime bien quand même. Tu vois. Mais tu vois, moi, ça m'arrive par exemple de commencer à regarder un contenu de manière régulière et donc du coup, il retombe sans avoir de notif. Hein, il retombe dans mes recommandations plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je me dis, bah, en fait, je vais juste m'abonner puisque de toute façon, je regarde ce contenu régulièrement. D'ailleurs, tips. Encore, si jamais vous faites ça, sachez que vu qu'on produit quand même du contenu très régulièrement, c'est tout à fait possible que YouTube ne vous mette pas en avant certaines de nos vidéos si vous n'êtes pas abonné. Moi, c'était le cas pour un créateur de contenu que je regardais à l'époque quand j'étais au lycée. Je n'étais pas abonné parce que bah, il me proposait toujours ses vidéos. Et je me suis aperçu qu'en fait, il faisait 2 vidéos par jour et qu'en fait, il y avait la moitié de ses vidéos que je n'avais jamais vues. Du coup, bon, ça a fait une belle surprise. Je me suis dit, ah bah super, plein de contenu à rattraper. Mais si jamais vous voulez pas louper ça, bah, c'est bien de lâcher le petit abonnement pour tout voir, bien entendu. Si jamais il y a un 8e joueur qui veut venir nous rejoindre pour ce draft, Paul envoiera de la vidéo. Ça serait pas déconner. On est là. On attend, on est chaud. Bon, est-ce qu'on va pas prendre notre revanche sur ce draft? On se rappelle que la dernière fois, on n'a malheureusement pas réussi à faire notre 2-1 ou notre 3-0 sur le draft. On a eu des games qui étaient très disputées. On n'était pas loin de faire le 3-0, pas loin de faire le 2-1. Malheureusement, on a fini sur 1-2. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire le 2-1, minimum. C'est les 3 points, l'objectif. L'objectif, c'est les 3 points. Et pour faire les 3 points, il faut être en positif. 2-1, c'est OK, hein. Parce qu'à 0-3 ou 1-2, c'est la même récompense exactement. Ouais. Ah ben 2-1, c'est l'objectif de tout draft en fait. Même en pro tour, ça. Tu draftes pour faire 2-1. C'est le but de drafter The Hard Way, de toute façon. Yep. Si jamais tu fais 3-0, tant mieux pour toi. C'est que tu as vite défini la couleur qui était la meilleure à ton siège et tu as pu tout récupérer. Mais à la base, on draft pour faire 2-1 et il se trouve qu'on peut faire, 3-0. Alors si tout le monde pouvait être prêt, ça nous arrangerait fortement. Mais je pense que tout le monde est prêt. Regarde. Regarde comme ça arrive vite. Ah, regardons là. Oh U. C'est perfecto. Y. Allez. Allez, les allez là. Allez, on se réveille. On a un draft à faire. Allez. Tu peux pas rentrer dans le draft et ne pas être prêt. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Allez, let's go. Il gagne du temps là. Allez, allez. Ah, c'est pour le suspense. 3. Oh, yes. Oh, yes. Ça y est, on est parti. C'est parti. Allez, un spoiler. Alors, format qui marche pas mal au spoiler. Ça n'en est pas un. Non, ça, ce n'en est pas un, non. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Rituel Sinistre, c'est une vraie carte. On se posait la question lors du premier draft. Mais oui, la lenteur du format permet à cette carte-là d'être puissante. Yep. On a Carreau Béni par les Flammes, qui est très bien. Ouais. Éphémère qui colle 2 et qui exile. Ça tue bien toutes les créatures de spirit. Ok. Ça j'aime bien. Ça met un marqueur chaque tour, mais bon, c'est vert et on se rappelle ce qu'on a dit au début. On va éviter. Ça n'a pas l'air ouf, ouais. Disons que vert, si tu curves pas dans des pâtés. Ouais. Ce land n'est pas dégueu non plus, parce qu'il permet de faire des jetons sang en late game. Ça permet de grinder. Ouais, mais non, mais je crois que c'est mieux d'avoir Carreau Béni ici. On va prendre l'anti-bet. Soif de découverte, c'est pas mauvais. Attention, ça pourrait être une bonne carte aussi, selon ce qu'on joue. Oui, puisqu'on va trigger son effet de défaut sympathique assez facilement. Ouais. Avoir pas mal de piocheurs dans un format lent, ça a beaucoup de valeur. Oh, Pensée éparpillée, c'est une vraie bonne carte. Ah, Témoin Cruel. Si on n'a pas envie de jouer Izzet. Témoin Cruel est excellent. Ouais, alors après, j'ai vu un petit peu des gens draftés. Ça fait quand même pas partie des first pick. Hein. Ça revient assez loin. C'est vrai. Mais c'est pas mal quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la 5-5 là en haut? Il faut crew 2 bêtes pour l'activer. Ok. Ensuite, à droite, c'est quoi? La vengeance des vampires. Ça met 2 à tout ce qui est non vampire. Donc, c'est un peu. C'est pas ouf. C'est une carte de side. En BO3, ça se fait. Châtiment féroce, j'aime bien. Pour 2, tu détruis une bête attaquante. Ou pour 6, tu détruis une bête tout court. Ouais. Est-ce que Boros, c'est une bicolorité qui est poussée? Non, pas spécialement. Moi, j'aime bien Pensée éparpillée. J'aime bien le 2-3 lifelink, perturbation. Là, j'avoue que je sais pas trop quoi prendre. Moi, je prendrais Pensée éparpillée parce que c'est une bonne carte. Oh, Marée dévorante, c'est fort ça. Pas tellement. Bah, les effets, quand c'est toi qui choisis bounce the board, c'est pas mal. Hein. J'ai regardé la run de Jirok à l'Arena Open et c'est revenu. C'était son first pick qu'il a pas pris et c'est revenu 8 picks plus tard. Ah ouais? À ce point-là? Ouais. Attends, je trouve ça pas mal, surtout en BO3, de pouvoir tout bouncer, quoi. L'anti-bet à 1 est plutôt pas mal, tout en bas à droite. Tout en bas. Ah ouais, Don de Croc, ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on prend? On prend juste les meilleurs anti-bêtes et après on regarde quelles sont les couleurs qui sont libres? Ouais, là de toute façon on pique que des bonnes couleurs, donc on peut voir après. Ouais. Charonnière, j'aime beaucoup. Ouais, moi ça me va de prendre les bons anti-bêtes et de voir ce qui est libre en fait. Ça c'est assez fort aussi en vrai. Hein. Boros, c'est pas forcément poussé, mais. Ouais. Ok. Ouais, on va quand même rester sur Don de Croc là. Ah, la 1-4 est vachement puissante, là, celle qui crée les jetons 100 et qui tient le board dans les formats mous comme ça. Ça, t'en veux plusieurs quantités si tu joues noir. Que ce soit noir-rouge ou noir-bleu, d'ailleurs. Hein. La convive est pas mal aussi. 3 de piètre qui fait un jeton 100 quand elle touche. Mm. Les Zunko sont pas incroyables. Bon, je crois que la Glouton entre les deux. J'aime bien Convive Glouton. Bah, c'est deux Convives, d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si le noir est libre, mais ça raconte quelque chose, cette convive. Lui, il est pas mal. Hein. Ouais, il est bien, lui. 4-4, tu peux sacrifier un jeton 100 quand t'attaques pour mettre un marqueur et piocher une carte. Est-ce qu'on peut essayer de forcer un peu le noir et regarder juste ce qu'on met à côté, que ce soit du rouge ou du bleu? Bah là, il y a 3 bonnes cartes noires. Bon, celle-là un peu moins, mais c'est quand même OK, donc je pense que oui. Rouge, par contre, ça commence à disparaître. Mais on peut faire noir-bleu. Hein. Il y a un peu de bleu. Même noir-blanc, en vrai, je trouve que c'est OK, tu vois, c'est pas incroyable, mais... Bah écoute, on va regarder ce qui arrive. Si on a la gold, noir-blanc, on fait des trucs. Syncope, c'est pas mauvais. Prêtresse, c'est une excellente carte, mais il n'y a qu'une carte blanche. Prêtresse, c'est pas mal. Mais il n'y a plus beaucoup de blanc, ouais. En fait, il y a beaucoup de vert. Maintenant, il faut regarder si on part plutôt bleu ou rouge, quoi. Alors, ça m'a assez agréablement surpris, moi. OK. Pourquoi pas. C'est draw 2 pour 2. Plus que les deux autres cartes bleu. Plus que... Ouais, syncope, je trouve pas ça très bien. Ouais, perso. Okay. Après, peur de la mort, c'est cool, mais si on joue avec du noir, on aura de bons anti-bêtes normalement. On peut quand même prendre une tueur de la mort. Ouais, moi j'étais plus sur syncope, mais vas-y, peur de la mort, ça me va si c'est un anti-bête. Bah, en fait, ça fait moins x, moins 0 et ça meule 2, donc. Okay. Le scab est pas horrible. Je sais pas ce que fait la première carte, la première unco là. C'est plus 2 plus 0 et c'est plus 0 plus 2 et contact mortel si ta robe de mariée s'est éclatée au sol. Il y a beaucoup de cartes blanches mais en vrai elles sont pas excellentes. Genre ça c'est pas ouf, ça non plus. Ça c'est à peine OK, ça c'est bien mais... On va prendre scab ici. Le scab, hein. Oh. Ah, le 1-1 est incroyable, hein, perturbation. Le 1-1 est très bien. Ouais. Si on joue noir-bleu, c'est vraiment très très cool. De bonnes cartes vertes, là. Ça, c'est naze, ça aussi. OK. Ça fait quoi, frôleur de tombe, là? Le spell bleu? Ouais. Ça engage, ça se dégage pas et tu pioches une carte. D'accord. Ah oui, c'est vachement bien. Mais je crois qu'il faut que tu contrôles un zombie pour... Ah non, ça coûte un de moins, c'est un zombie, ouais. OK, bah, c'est vachement bien comme carte, si jamais ça... Pour 2, on brunce un truc. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ça te permet de battre des doubles blocs. Enfin, ça fait presque effet d'anti-bête, des fois, quoi. OK, le noir n'existe plus. Non. Il y a des bonnes cartes blanches, quand même, qui reviennent. On peut prendre ça, hein, ça reste une bonne bête. 5-5 pour 6 qui devient imbloquable. Est-ce qu'il faut continuer à prendre ça ou partir sur le blanc si on considère que... On peut piquer une carte blanche, c'est pas grave de pas avoir ce crabe dans notre deck, quoi. Ouais. Alors moi, je prends syncope ici. Hein. On peut prendre syncope. Valsor Markov, il est revenu, mais bon, il n'y a pas beaucoup de rouge qui est revenu. Siphonner l'essence, c'est très bien. Enfin, c'est bien. Ouais, bon, si on joue un espèce de bleu-noir contrôle, ça me paraît OK. OK, nice. OK. 4-3X pour 4. Quand elle attaque, si on attaque avec une seule autre bête, l'autre devient aussi 4-3. Ouais. T'as encore le 4-4, mais je crois qu'on n'en veut pas 2. Par contre, pour baisser notre curve, on a le 2-2 là qui permet de s'exploiter. Ouais. Que pas horrible, quoi. Toi, notre curve à 2, elle est souffrante, donc... Même si, pour le coup, la syncopate, c'est une carte qui rentrera dans la curve à 2. Ouais. On peut prendre Ghoul là, je pense. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Il va nous falloir des créatures d'early draw comme ça. Edgar. Ouais, je pense qu'il est fort, le Edgar, mais... C'est trop loin. On n'a pas beaucoup de noirs et on a trop de bleus, je pense, pour switcher là. On peut prendre l'étendue. Ouais, ça me va aussi de prendre cette étendue. Ça permet de splasher un port... facilement, si on en a un. Et en vrai, ce qui est à côté n'est pas incroyable. Non. Je regardais sur le rouge, parce qu'il y a peut-être des choses à faire, vu qu'on a un carreau béni, mais... Non, on va essayer de forcer le noir, en fait. Ah là, en rouge, il y a deux cartes OK, mais elles sont... Elles sont pas assez OK pour qu'on les prenne au-dessus d'étendue sauvage. Ouais, étendue, c'est vraiment... C'est le pli gratuit qui est toujours bien. OK. On a une autre convive. Ah, les convives, c'est ultime. Recrutement de Sigarda, c'est éclaté. J'aime beaucoup ce Geist, il m'a pas impressionné en le jouant, mais je trouve que la carte est super intéressante. Ok, il peut peut-être revenir, hein, vu que le bleu est libre. Ouais. En tout cas, on va pas laisser passer une convive de plus, je pense. Non, c'est clair. Là, il y a déjà... il y a eu que deux piques et il n'y a plus qu'une seule carte noire. Donc, En fait, convive, c'est l'assurance de pas mourir sur des sorties aggro, quoi. Mm. Oh, il y a encore une convive, putain. Il y a plein de bonnes cartes noires, là. Ah, là, le drop 6 qui tue une bête, c'est super important. Ouais. Pour pas mourir sur les pâtés. Et si la convive pouvait revenir, on la prendrait, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, si tu exploites une de tes bêtes, tu bounce, enfin tu mets bottom une créature de l'adversaire? Ouais. Au-dessus ou en dessous? Ah, c'est lui qui choisit. Ouais, c'est pas naze. Il y a ça, sinon pour baisser la curve et qui bloque bien. Moi, je crois que c'est important de prendre un drop 2, ouais. Parce que là, elle me fait un peu peur la curve. Ouais. Après, on a des drop 3 qui bloquent bien le board, mais... Ah, c'est bien d'avoir des 2-1 pour 2, là. La cohue? Ouais, ils sont bien. Faut en trouver des multiples, mais je pense qu'on est capable d'en récupérer d'autres. Si on en trouve ne serait-ce qu'un autre, c'est cool. Oh, Castaway, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est peut-être mieux que 5. C'est contre-sort pour 3. Hein. Ouais. Ça fera pas beaucoup mieux. On peut reprendre un drop 2, j'ai pas envie de jouer 2 peurs de la mort. Ouais, ça me choque pas, hein, les deux. En fait, je sais pas si c'est pas mieux d'avoir des... En fait, en gros, t'as un rendement décroissant plus important sur la 3-3 pour 2 que sur peur de la mort, je pense. Ouais, je pense qu'en fait, on jouait aucune des deux en multiple, mais... Gargantua, j'aime bien. Ouais, vas-y. Ça fait ça qu'une bête. De toute façon, bah, c'est mieux que ce qu'il y a. Reste, quoi. La 1-13, c'est vraiment naze. Ouais, une troisième, super. Ouais, non, peut-être que c'est pas très bien, peur de la mort. Peut-être qu'on veut pas la troisième. Ouais. De toute façon, le booster était... peu importe ce qu'on jouait, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose pour nous. Regarde notre curve, fais voir. Elle est mieux, mais elle est toujours pas ouf. Ok. Ça, en vrai, ça va, hein, c'est pas horrible. Ça, on dégage. Ça, c'est un drop 2. C'est un drop 2. Ça va. Ah, bah, il est revenu, effectivement. Ok, prenons-le. Recluse, c'est pas mal, ça. Ça fait quoi? Si on s'est défaussé une carte ce tour-ci, on la transforme et ça devient une 3-3 qui fait drain de vie quand elle attaque. Ah bah super nice, ça marche très bien avec nos jetons. On sent qu'on va essayer de créer en mars. On a déjà un scab, donc je prends plutôt ça, j'aime beaucoup. Ouais, prends plutôt ça. De toute façon, le scab, on en veut pas deux, je pense. Hein. Ouais. De lifelink qui devient... on a déjà un deck qui est pas mal playable, en vrai. Hein. Pour 2, et H en bataille avec un nombre de marqueurs suspects égal au plus grand nombre de créatures. Un joueur contrôle. On retire un marqueur, pioche une carte, on peut le sacrifier pour 2, pioche une carte. J'arrive pas à estimer à quel point c'est bien, j'en ai aucune idée. Dans un format grindy, ça peut être pas trop mal, mais bon, ça m'a l'air un peu cher quand même. On va side out selon la vélocité de notre repos. Ouais, on n'a pas de drop 4. On n'a pas de drop 4, et ça c'est un bon drop 4, c'est une 3-3 imbloquable quand t'attaques seul, qui donne son effet en enchantement. Ok, ouais, ça a l'air fort. Ça finit les games. Perso de sûreté, c'est bien aussi. Je pense qu'on préfère la bête. Et assistant accommodé, c'est cool. Tu sais qu'une bête, tu fais scry 1, pioche 1. Scry 1, ok. Bah, j'aime bien tout. Je pense qu'on pourrait retoucher une des deux cartes bleues. Ouais. Oh, gros lock. Gros lock. Ah bah là, si on veut rester dans les drop 4, de toute façon, il n'y a pas grand chose. On peut prendre ça. Ouais. Je pense que c'est plus sympa que Dissident d'année. Ok. Enfin, Dissident, c'est bien, ça s'exploite, mais... Oh, le cruel witness, quoi. Ouais, ça c'est bien. Il y avait barricade aussi. Oh, gros knock, on aurait pu en avoir 2. Ah, le scab il est fort pour récupérer des anti-bêtes. Le gros scab. Ah, un gros scab c'est pas mal. Après, est-ce qu'on a anti-bêtes? On a un à 6, on a un contre. On n'a pas beaucoup d'anti-bêtes. On a des trucs à reprendre. Ah, on a une autre convenue. Ah, super. Dès que t'en as deux, voire trois, t'as vraiment un early game qui est solide, quoi. Qu'est-ce que ça fait, ça? Alors ça, c'est bien pour grinder. Tu regardes les deux cartes dessus, t'en mets une dans le cimetière, chaque fois qu'une carte crée, tu remarqueras. Ne peut bloquer que... Ah, j'avais jamais vu. C'est pas mal. Mais je sais que JE l'a joué main deck et l'a décidé contre les packs aggro. Après, je sais pas si on veut pas des frôler la mort ou des pensées éparpillées devant ça. Aucune idée. On a ça déjà dépend vraiment de la technique des match-up. J'aimerais bien voir ça en action, moi. Vas-y, vas-y. Ok. Ça m'avait paru fine, quoi. Oh yes, on a le troisième. Ah putain, on a vidé de son sang. Ah bah c'est meilleur. Hein. C'est meilleur vidé de son sang. Faut que tu prennes vidé de son sang. Ouais. Je l'avais pas vu. C'est vachement aussi, c'est bien. Choix 6, ça peut revenir, ça. Ouais, ça va revenir, ça va revenir. Ah, vider de son sang, c'est quand même assez fou. Lanterne. C'est pas déconnant d'avoir ça, non? Ou alors d'avoir un autre... Non, je sais pas. Toutes les cartes de tous les cimetières. Ah, on perd aussi, on a 2-3 trucs qui se rejouent. Ouais, ok, ok. Ah, je crois que je reprends un drop 3, là. Ça commence à être des cartes qu'on va pas jouer, hein. Mais bon. Ouais. Faut prendre le 2-2 pour 2, hein. Bon, ouais, c'est pas grave. Moi, je prends une coupe pour ton vol. Ah, tu veux un scab? On en jouera deux scab au cas où. Je sais pas, genre si notre adversaire il joue que des bêtes vol, au moins on en a un à rentrer, quoi. Ouais. Ouais, je te prenais une co pour ton volt sinon parce que... Ouais. Je le voyais pas jouer. Franchement, si on récupère le troisième de 1 pour 2 là, solidus, hein. La cohue. Ça c'est un moteur à exploit, c'est un chum blocker d'early game. Ouais, c'est pas mal. Ça va venir bien lisser notre pack Dimir. La gold de Dimir, c'est dommage. Ouais, celle qui elle permet de générer des 2-2, c'est ça? Ouais. Oh, bah berceau de sûreté, nice. Ok. C'est assez fort, ça. Hein. C'est quoi, ça protège une bête, c'est ça? Ouais, +1/+1, défense hispanique jusqu'à la fin du tour. Ok, je sais pas si c'est bien dans notre deck pour le coup. Peut-être pas dans notre deck, mais en tout cas la carte est bien. Syncope, hein. Syncope c'est au-dessus du boons. Syncope c'est bien hein, contre les mecs qui vont curver bien vénère. Je te prends une rare. Vas-y, vas-y, prends-moi Slowgurk. Ah non, c'est Gronolk celui-là. Gronolk. Rien. Ah, on n'aura pas notre 2-1 quoi. Choix 6, ça va être à la fin. Ah, ça sera pas la dernière. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est des bonnes cartes à reprendre avec le scab en plus. Non. Rip. Ah. Fallait qu'elle tombe cette 2-1 en même temps que l'anti-bête, quoi. Alors, on va faire du ménage. Déjà, un scab, ça dégage. Ouais. Je sais pas. Tu peux laisser les deux pensées éparpillées. Hein. Ah ouais. Vraiment, on va jouer des games longues, c'est vachement fort. Hein. La curve à 4, elle est lourde là. Hein. Ouais, on a quoi? On a 6 cartes en curve à 4? Ouais, bah attends, viens, on regarde ce qu'on enlève ailleurs. 6 et il n'y a que 3 bêtes, donc les bêtes à 4, on peut pas trop les toucher. Hein. Ouais, vas-y, viens, on regarde ce qu'on enlève ailleurs. Genre, il fait quoi ce 2-3 fly pour 3 là? Il peut pas bloquer les bêtes avec le vol. Ok, d'accord. Il peut que bloquer les bêtes avec le vol, pardon. Ok, ok. Ça, il propose quoi là, ton Geist qui est 3-1 pour 3? Il a pas l'air très bien en plan de jeu défensif. 3-1 pour 3, en défensif, non. Enfin, ça dépend, parce qu'une fois qu'il meurt, il fait moins 2, moins 0, une bête. Genre lui, tu le veux en 2 exemplaires? Peut-être qu'on peut en avoir qu'un. Syncope à 2. Tout ça, c'est bien. Hein. Peur de la mort, tu peux me relire exactement les effets? Ça meule 2 quand ça arrive en jeu, puis ça fait -x, -0 à la bête, x étant tes cartes au cimetière. Ok, c'est pas mal. C'est hein. -2, -0, quoi, minimum. Mais c'est pas en flash, c'est en rituel. Non, non, mais c'est pas idiot, quoi. Je pense que berceau, c'est pas très bien dans notre deck. Genre, en fait, on s'en fout de nos bêtes, elles sont toutes remplaçables. Ouais, on n'a pas de truc à protéger, c'est vrai. Genre on veut juste grinder petit à petit. On a 3 contre, j'en enlèverais bien un, hein, entre emporter, syncope et siphonner l'essence. Peut-être emporter plutôt. Ouais. Parce que syncope ça peut se jouer un peu n'importe quand, on risque d'avoir du mana. C'est bien sur la draw, quand ton oppo il veut te curver un drop 3 et que toi à ton tour 2 tu l'attrapes avec 5 copes, t'es content quoi. Mm. Ça c'est trop fort. Hein. Mm. Ok, ça c'est bien. On a besoin de temporiser l'early. Je crois que je toucherai pas à nos drop 2. 3, 4, 5. Ça, je sais pas du coup. J'ai aucune idée de ce que ça fait, j'ai jamais joué. Tu le laisses et tu le sortiras si notre oppo est trop patate. Ok. 5 bêta 3. Ouais. En fait, on a que 2 piocheurs et c'est ces 2 pensées éparpillées, donc ça me fait chier d'en enlever un, quoi. Après, on a des jetons sans, quoi. D'ailleurs, on a... Ouais, mais c'est pas de la value, c'est pas du card advantage, c'est de la quality advantage, les jetons sans. Ouais. Les games, on va vite se retrouver au top deck et... Le rôdeur, il a l'air pas mal pour finir les games. Moi, je cutterais peut-être un peu dans les drop 3 et dans l'early game. Ouais. Genre le Geist d'emprisonnement, est-ce qu'il est si bien là, ce 3-1? Moi, j'aime bien, mais après, c'est vrai qu'il y a peut-être plein de 1-1 qui peuvent le bloquer, quoi. Ouais, il me fait pas rêver, il s'évade pas, il met moins 2, moins 0 en rituel. Et dans l'early game, peut-être que récupération de l'alchimiste, c'est pas ouf, tu vois. Bah, par rapport à ce qu'on a, vu qu'on a des bons anti-bêtes. Pour 2, tu bounce, on a des bons anti-bêtes, pas incroyable. Hein. On a un drop 6, un drop 4, et après c'est juste de la tempo en x1, donc on n'a pas vraiment des bons anti-bêtes. Bah t'as le meilleur anti-bête du format qui est vidé de son sang, et t'as le deuxième qui est rituel sinistre. Avec le scab, on peut les reprendre. C'est super cher. Bah ouais, mais le format en fait te permet de jouer ces cartes-là. On a des contres, des... Enfin, si, on est bien, hein. Faut cutter, donc faut enlever dans un bounce classique, quoi. Ok. Peut-être que le fermier, le 2-2 lifelink pour 3, il est pas très bien non plus, il accomplit pas grand chose. Ouais, ça dépend si on peut exploiter facilement des bêtes, quoi, parce que c'est une 4-3 lifelink pour 3. Une fois que tu l'exploites, ouais, donc ça synergise avec nos scabs. On a quand même pas mal d'exploits. Ok. 16 bêtes. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est que le drop 2 qui est bien contre les match-up grindy, tu peux le sortir et on le rentre selon notre adversaire, ouais. Mmh. C'est pas facile, hein. Non, moi je verrais quand même une pensée, mais sinon... Non, je crois que dans ce deck contrôle, on veut au moins 2 pensées. Bah, je te laisse choisir du coup. Ouais, je regarde, je m'interroge. C'est probablement dans les drop 4, effectivement, qu'il faut cutter, mais... Il fait quoi, le témoin cruel? C'est 3-3 fly, quand tu lances un spell non créa, tu regardes la carte du dessus et tu peux la mettre au cimetière. Ok. Est-ce qu'il faut pas enlever le scab céleste? Ou alors la 5-4 exploite, là? On non, peut, après... Après, il faut tuer quand même, quoi. On a pas de late game. Hein. Enfin, on a... Scab, c'est vite fait du late game. Donc moi ouais, j'enlèverais scab quoi, limite. Tu tues avec ton drop 1 là qui va donner vol à une bête une fois que tu as épuisé toutes les ressources de l'oppo quoi. On a combien de créatures? Ouais. On a combien? On a 16 créatures. Ouais, c'est pas mal, je pense que tu peux enlever un scab ou un... Je sais pas si scab c'est pas meilleur que la 5-4 exploite, pardon. Bah si on peut tuer, autrement on peut enlever Gargantua, mais c'est quand même une 5-4 qui enlève une bête à l'oppo quoi. Moi, j'enlèverai Gargantua de base et je la siderai contre le scab selon la texture du match-up qu'on affronte. Je préfère avoir un 2-5 qui bloque les airs et qui passe sur les boards bloqués. Et si jamais notre adversaire, il a plutôt un plan de jeu avec des créatures puissantes, mais pas un board large, ouais. Pas avec des petits kimchi à côté, je mettrai le 5-4. Ok. Ça marche. Eh ben, okay, nice. On fait voir juste les CCM et les nombres de cartes. 14, 9. Fais voir sur les doubles colorés du coup. On a plus de doubles colorés noirs. Non. Ouais, je resterai comme ça aussi, 8-8, hein, ça me va. Ouais, est-ce qu'on a plus de doubles colorés? On a 2-2. Ah non, on n'a pas plus de doubles colorés, on a égalité. On a plus de cartes bleues par contre. Ouais, mais c'est pas très grave. En fait, la différence entre 14 et 9, elle est pas assez importante pour déséquilibrer le nombre de landes, je pense. Ouais, on a une étendue en plus. Non, je pense que c'est ok. Ah, c'est vrai qu'il y a Don't Crow aussi comme anti-bet. J'avais oublié. Est-ce qu'on a des vampires? On a des vampires en plus pour mettre dessus. Ok. Non, il est bien fait. Bah, let's go. Petite game. Je dis pas, en fait. Et je sais pas si tu as mis un petit dos de cartes. J'ai mis un dos de cartes, ouais. Game 2 et 3, du coup, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Ouais, c'est dommage de ne pas avoir eu la gold de Dimir, mais bon, on va faire ça. De toute façon, on a vu que la gold de Boros. C'est la seule gold qui nous a été proposée. Ouais, je sais pas trop quelle couleur on aurait dû drafter. J'ai l'impression que le blanc était quand même pas mal dispo, mais il n'y a pas eu la gold de Orzhov, donc ni la gold d'Azorius. C'est probable qu'on aurait pu drafter Orzhov plutôt que Dimir, mais franchement, note pas qu'il a une gueule de, bon pack. Ah ouais. Orzhov, c'est point de vie, et il n'y avait pas ces synergies-là du tout. Du coup, on aurait eu un deck ok sans plus, quoi. Non, c'est pas impossible qu'on devait drafter Dimir. Hein. En tout cas, on a eu des bonnes cartes noires, donc on n'allait pas se priver de piquer la meilleure couleur, quoi. Ouais, bleu, c'est sûr que c'était largement open. Ouais, c'était super open. Et en fait, bleu, tu peux l'associer à quoi? Au blanc, mais il n'y a pas d'association Izzet, par exemple. Blanc, noir... Si, Izzet... En fait, il y a toutes les associations. C'est juste que les alliés sont plus poussés, mais tu peux très bien faire un draft Izzet et faire 7-0. Hein. Enfin, 3-0 en VO3. Mais... D'ailleurs, je pense que parmi les associations ennemies, Izzet, c'est peut-être une des plus sympas. Ok, j'ai pas eu le sentiment qu'on devait drafter autre chose que Dimir. Si, ouais, non, le rouge a été cut très vite. Le vert était open, mais on s'en fout. Si, je pense que oui, par exemple, on aurait pu drafter vert et avoir des sorties très curvées et très patates, un peu bébêtes. On aurait pu faire un Simic stylé. Drop 2, drop 3, drop 4, drop 5, et bah ouais, c'est fort. Hein, mais... Ouais, à la fin, on aurait pu avoir des Grognok et la petite araignée Simic, là, qui est très forte aussi. Mais, ouais. Mais c'est à la fin, quoi. On pouvait pas se douter au début que ça allait partir là-dessus. Au contraire, si on partait en se disant bon, on va essayer de prendre Simic et qu'on n'avait pas les golds et tout, ça aurait été moyen, quoi. Et ben, y a personne qui veut drafter, personne qui joue en BO3, dis donc. Pas beaucoup de drafters, visiblement. Ça ne va pas tarder. Après, moi, quand ça met trop longtemps, j'annule, je quitte le jeu, je relance et... Et tu trouves vite? Ouais. Ah. Ah. Let's go. On est y part. Squirp. Squirp, lui, il joue Célestia. Je pense. On va aller garder cette main. Ouais, il faut pêcher des landes, mais ça va, on en joue 17. Ouais. Bon, on va pas refuser une main fonctionnelle à deux landes, de toute façon. On va espérer piocher des landes, bien évidemment. Ok, il en faudra un quatrième. Caro Benny, déjà? Ah non. Il cantrip. Oh, il a pas son land. Excellent. Et on trouve un autre. Pas son land, mais pourquoi il garde une main comme ça, lui? Parce qu'en plus, ça, il peut pas la jouer si jamais il a pas de cible, je crois. Ouais, c'est vraiment naze, putain. On est tombé sur Zozo Master en face. Ah, je crois que là, Squirp, désolé, mais t'es un peu le Zozo Master. Hein. T'es un peu le Zozo des autres de ces bois. Alors que s'il avait choisi des Bourlandes comme ça, on serait pas arrivé. Bah, bourre-le, hein. On aurait bien voulu avoir un petit Counter Spell dans la main, là. Mais bon. Ah ouais, comme ça, il faisait j'ai enfin mon land, je vais en drop 2. Non, on continue. Oh, il a un land. Bien joué, Squirp. Non, mais il a lucky par un land en commençant, en plus, c'est terrible. Bah, c'est terrible, surtout que nous, si on n'a pas de drop 1, enfin, il avance même pas, tu vois, avec ses colères. Hello. Squirp. Ah, il joue Izzet. Il joue Izzet, notre poteau. Par contre, nous, le deuxième bleu... Salut, hein, On aimerait bien l'avoir. Bon, on va jouer le rôdeur, je pense, après combat. Ouais. Hop là. Il a déjà passé une -2/-2 à tout le board, hein. Donc il n'y aura peut-être pas deux. Ouais, en plus c'est un peu... Ah bah non, il joue des vampires, donc je comprends un peu mieux, mais ouais, quand tu en joues pas, c'est un peu dangereux, c'est un peu un anti-bet des fois qui ne cible pas les bêtes, quoi. Mon deuxième bleu, on va se faire foutre. Ouais, on a beaucoup de chance, hein. Je crois que je t'ai dit, ouais, déséquilibre pas. On reste à 8-8. J'attaque juste avec tout et... Je peux faire peur de la mort pour être sûr de passer tes deux points, non? Ouais. Bah sinon, il va te trade ta 2-1, quoi. Ouais, je sais pas, ok. On met 4 points, il a trade ça. Ou juste j'attaque avec ça et ça. Hein. Il peut que chump. Si tu veux. Ça dépend si tu veux le tuer vite ou pas. Bah ça, de toute façon, c'est imbloquable et ça rendra imbloquable. Donc là, il faut que je passe mes points pour finir avec ça après, quoi. Ok, vas-y, on peut faire ça et développer le scab. Ouais, je vais mettre le scab juste en bête. S'il bloque spell, bon bah... Tant pis. Si on mettait ça là, enfin si on avait mis ça... Ouais, c'était pas mal. Bah écoute, c'est la variance, hein, ça arrive. Hein. Oui, lui... lui, il a pas pioché pendant 3 tours des landes. Hein. C'est ça, faut... Non, il faudrait pas quand même qu'il arrive à nous outvalue. Parce que là, on perd une cartouche de grind, quoi. Ça sous-entend, si on joue ce scab, qu'on veut finir la game rapidement. Bah en fait, si jamais on fait pas ça, on le laisse revenir potentiellement. Oh non, mais c'est pour ça. Donc c'est le play. Qu'on soit ok avec la dynamique de maintenant on cherche pas à jouer une game longue mais à profiter de son absence de mana, pas de son retard disons. Ouais. Si j'avais un petit spell à reprendre, j'aurais volontiers sacrifié ça mais... Sacrifier ça pour faire voler un 3-3, ouais, c'était pas déconnant non plus. J'aurais fait voler ça, comme ça il aurait été volant imbloquable. Volant imbloquable, vraiment tu le trouves pas jamais en fait. 2 points. On ne va pas rentrer dans ton trick ce Squirp. Ouais, il doit avoir une... C'est bien là ce petit rituel pour buffer, buffer tes bêtes. Ça? Ouais. Si t'en as plusieurs, ça peut être fort. En fait, c'est un cantrip, donc si t'as envie de jouer spell, genre typiquement avec la 1-3/2 qui est une excellente bête, c'est très bien quoi. C'est ouais. Pour 1, tu fais +3/+0, piocher une carte. Ok. Il l'avait. Waouh. Ok, il en jouait 2 et il les a piochés. C'est un porc, hein. Ce qui est pas très grave en vrai, on va mettre 3 points, jouer notre Bedfly. Et il les a exilés, on est d'accord? Ouais. Non, il a exilé que celle qui était touchée. Ah, il a exilé que la carte qui était imbloquable, ok. Dommage qu'il soit à 6. Mec. Parce que sinon on pouvait faire voler ça et le tuer. Attention, il faut pas qu'on se fasse grinder ici. Non, mais on peut pas jouer autrement. Hein. Non. Si on jouait pas ce cas, on mettait moins de points. Nos 2 piocheurs, ils ont beaucoup de valeur ici parce que quand notre main va commencer à s'amenuiser, on va pouvoir trouver des cartes impactantes. J'espère qu'ils jouent beaucoup de vampires hein, pour jouer 2 comme ça main tech. Ou pas beaucoup de bêtes. Après, s'il joue des vampires, spells et compagnie, ça fait sens hein, dans son pack, ouais. Ou après, il se dit, je vais louper mes land drops, mon oppo, il va prendre le board, et je vais pouvoir lui raser son board. Il crée le scénario ultime. Ouais. Et son pote lui dit, non mais fais pas ça, gros. Et lui, il lui monte, il dit, bah regarde, ça m'a sauvé, si, regarde, j'ai gagné. J'ai bien fait de jouer que 14 landes. Oh, le pire, quoi. Ah, par contre, Squirp, tu peux juste bouger un peu ton HUC, s'il te plaît? Merci. Ah, merci. Ah, mais c'est bon, alors, je crois que ça donnait... il n'est pas spécialement lent, notre adversaire. On avait l'étal, parce que ça donne +1/+1, en fait, j'avais oublié. Ouais, ouais. Pas spécialement lent. Si bah, ça dépend, parce que sur toutes ces cartes, on a une seule bête. Hein, et donc, s'il a qu'une bête, il sera bien lent. Est-ce que tu veux jouer, du coup, l'enchantement, l'artefact pour 2 mana, qui permet de grinder? J'aime bien. Ça, c'est fort. Ok. Il a l'air de jouer aussi moult petits spells. Je sais pas si on veut pas un petit berceau. Non, tu te dis, on a aucune créature qui est importante, tu vois. Non, mais au-delà de ça, c'est juste, ça fait counterspell et je buff ma créature, tu vois. Genre, il prépare un tour où il va tuer nos bêtes, à la place, il y en a une qui meurt pas et qui est plus forte, c'est assez puissant, tu vois, dans la tempo. Ouais, je suis pas convaincu. Moi, j'enlèverais peut-être syncope ici, mais bon. En fait, j'ai l'impression qu'il a plein de petits spells, quoi. Ouais, plein de petits spells, syncope, c'est pas très bon. Moi, je resterais comme ça, hein. Ok. On resterait comme ça et on va peut-être en apprendre un peu plus sur son deck. On s'aidera mieux à la 3 si on vient à perdre cette game. Ça me va. Top. Ah, les deux bleus. Les deux bleus, du coup. Tu sais ce que ça veut dire, Val? Ça veut dire qu'on trouvera jamais les deux noirs. Exact. C'est une catastrophe. Ok, giga nice. Giga nice. Je peux mettre ça. Ouais, tu peux commencer à mettre ça, mais bon, tu peux aussi lui opposer un bloquant, quoi. Un bloquant, je vais pas trop avoir envie de bloquer, parce qu'il a ses spells 1 rouge et qui buff. Et non, mais tu peux commencer par planche de cryptame, ça me gêne pas. Hein. Et il a carreau béni. Avec ton 1-4, let's go. Ouais, je préfère. Ok, ouais, donc il a un vrai plan de jeu spell. Ça devrait aller, faut juste pas prendre trop de points, mais avec la convive, en fait, on va gagner plein de PV, quoi. Donc on bloquait pas avec notre 2-2. Ouais. Et tu vois, c'est les landes bleues qui arrivent. Hein. On pourra défausser la goule sur notre jeton sang, ça marche bien. Ah bon? Non, pardon, c'est la... Ah non, ça synergie avec la recluse, pardon. Recluse, ouais. Il faut recluse et défausser un truc pour la retourner. Ça marchouille. J'aime bien le flavor de la carte. Ouais. Moi, je la trouve très esthétique, cette gloutonne, là, à boire des coupes de sang comme ça, là. Elle se gloutonne de ouf, quoi. Avec ces énormes verres. Vraiment pour montrer que t'es riche, quoi. Ah, c'est l'opulence du sang, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a re-exilé Silent, ok. Ok, super bien. J'ai pas trop envie de piocher. Pourquoi t'aurais pas envie de piocher? Parce que je sais pas ce que je cherche. Et que là, plus on le laisse faire des trucs, plus on se fait pinguer. J'ai plus envie d'être proactif, là. Bah, tu peux faire une autre convive. Ah ouais, tu veux carrément jouer le 3-3? Bah, okay. Convive pour, avec un truc de 100 up, je trouve ça moins bien. Tu vois, soit on fait... aussi recluse, on a ça activé pour 2, qui est bien. Non, je crois que je mettrais juste ça, et s'il a rien à faire pour le tuer, bah, on met 3 points de retour. Ok, ok. Et on lui bloque... on bloque son agression, là, déjà. Il a une syncope, à mon avis. Alors, on aurait pu tourner autour de syncopate, en vrai. Ça mangeait pas de pain. Effectivement, je pensais pas. Ouais, je pense que là, on a loupé un truc. On aurait dû jouer la recluse, je pense, et faire fin de tour où on sacrifie un jeton sang, où on utilise notre artefact. Ouais. Là, on lui a donné... Alors, non, recluse, si tu veux trigger, c'est dans le même tour. Parce que c'est à ton étape de fin que ça trigger. Ok, ouais, enfin en tout cas on aurait pu faire l'un ou l'autre, quoi. Là, on peut le payer un peu chéro, cette erreur. Je pense que tu peux bloquer, non? Ça lui fait dépenser un spell de plus, non? Ça lui fait dépenser un spell de plus pour perdre la convive, alors que convive peut nous faire gagner 2 PEV par jeton de sang. En fait, si je la garde, c'est 4 PEV que je gagne. Ok, ok, ça sous-entend qu'il a un boost de plus, quoi, ou un blast. Ok, ok, non mais c'est bon, vas-y, je te fais confiance. Je pense... Je pense à garder, c'est pas mal. En fait, si ça permet qu'on gagne plus de points sur ses phases d'attaque après, c'est pas mal. Ok, pas de land. Par contre, tu peux aller les chercher, hein, tes landes. Je crois que je vais refuse et défausser, ouais. Ou alors je défausse d'abord. Pourquoi tu défausses d'abord? Oh, parce que ça trigger à la fin du tour. Ah, ça dépend de ça trigger à la fin, ok. Bah ouais, vas-y. Hein. Et tu défausses une goule, quoi. Ouais, celle-là, elle fait plus grand-chose. Non, c'est vrai qu'on retient un marqueur, du coup. Et un point de vie. Oh, super. Tu peux mettre Recluse plus le porteur. Ouais. On va mettre ça. On va voir ce qu'il en fait. C'était pas mieux à l'inverse? Ah, tu voulais d'abord lui proposer... Ouais, ok. Je pensais dans tous les cas, il pourrait syncope, que ce soit l'un ou l'autre. Oh, ouais, je pensais qu'il gérerait peut-être plus ça. Parce que s'il le contre, on perd l'autre côté aussi. Avec ça, il se gloutonne, c'est un peu chiant, quoi. Ok, il peut le tuer toujours avant la fin du tour. On n'a pas d'intérêt à attaquer. C'est un effet bien, le truc qui détruit tous les non-vampires. Enfin, qui fait 2 à tous les non-vampires. Bah si, là, on va retourner automatiquement notre artefact, donc c'est cool. Ouais. Et ça l'exile, donc ça ne compte pas pour ça. C'est assez chiant. Il aligne les landes alors que nous, on les aligne pas. C'est un vrai problème. Ah, il est full ping, c'est insupportable. Ouais, mais si on pioche des landes, on est capable de battre son jeu full ping avec des gloutons. Bah, pas tant que ça, on fait 4 jetons ça en tout dans notre deck. Hein, donc, ouais, mais c'est important de les gagner, ces 4 PV-là. Ah oui, c'est sûr, c'est bien, mais c'est pas... C'est pas forcément suffisant, quoi. Genre, on gloutonne et on active ça, je pense. Ouais. Je peux le faire n'importe quoi ou pas? Oui. Ok. Nice. Tu veux activer ça ou poser ton 3-3? Peut-être poser 3-3. Attends, ça le transforme, ça, si jamais tu fais... Ça fait quoi? Ça le transforme et il va être engagé, là. Je peux pas attaquer ce tour-ci avec. Ok. Ouais, peut-être que c'est pas si mal, hein, de le transformer, non? Ouais, je crois que je passe et je le transforme à son tour. Ouais. Et là, je vais mettre un point, parce que je bloquerai pas avec ça. Ok, ok. Bah, écoute, on est encore vivant. Faut qu'il s'épuise et que nous on gagne avec pensée éparpillée. Ouais. Avec tous ces contriples, c'est dur. Après, on a plein d'anti-bêtes aussi. Il suffirait juste de les trouver. Enfin, plein. On aura ce qu'il faut en tout cas pour gérer son 1-3. Ouais, il y en a. Enfin, il y en a un seul là qu'on peut. Il y en a deux qui le gèrent clean en tout cas. Ouais, mais il manque un mana donc il y en a qu'un qu'on. Eh non, même pas. L'autre, il a 2 mana noirs donc en fait, il faut minimum 2 draws pour le gérer. Après, à première game, on pioche que des manas noirs. Deuxième game, on pioche que des manas bleus. Il y a un moment, si on doit se battre contre notre deck aussi... Ouais. Il y a 2 jetons sang. Ouais, je pense qu'on va passer en game 3. Celle-là. Ouais, elle est pas perdue encore. Faut qu'il enchaîne quand même beaucoup de pioches de land hein, pour qu'il la perde. Hein. En fait, ça... ça va recycler de land en carte active potentiellement. Et il a pas l'air de jouer beaucoup de créatures, donc vu qu'on gagne plus de points de vie là. Ouais, ouais, mais moi, ça va être chaud. Je vais quand même rester dans cette game, quoi. On va essayer de gagner, hein, mais c'est dur. Tant qu'on gère pas à 1-3 en fait. Ok, il a rien fait. Bah, scab au cimetière. Et on va retourner le truc. Toujours pas de land. Non mais tu vas aller les chercher avec pensée éparpillée en rituel. Ouais, je vais attaquer d'abord je crois. D'ailleurs tu peux juste piocher des cartes avec ton esprit en fait. Bah, je draw 2, je défausse, alors que là, je regarde 4. Donc, Et ouais, mais là, tu te fais contrer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je crois qu'on va assurer et aller chercher vraiment le land avec, bah, voilà, avec ça. Avec ça? Non, avec ça, hein. Ok, nice. Ça, c'est de la merde, non? Quoi que je peux le là, on va le poser pour bloquer, donc c'est pas horrible. Hein. Ça, faut le garder absolument. Oui, il faut enlever une pensée, je pense. Ouais. Et là, tu joues ton 3-3, justement, qui va nous permettre de bloquer. Ok, bon, ça, c'est vrai que si on le retourne et qu'il le gère pas, c'est un bon moyen de revenir. Ouais, on peut le faire, on peut le faire. C'est une montagne haute à gravir, mais on a des bonnes chaussures. La montagne est haute, mais Dieu qu'elle est belle. Ça, en plus ça, si je le retourne en lifelink et que je mets le fly, ça fait des trucs. Écoute, hein. That is the plan. Par contre, Square est d'une lenteur, c'est ahurissant. Ouais, mais c'est les gens en BO3. Oh putain, est-ce que tu peux arrêter de tout contrer tout le temps? Il a 2 siphonnés, 5 copes. Ah mais lui, il va jouer contre Druid Werewolf, il va se faire aplatir, quoi. Ouais, en fait, s'il a pas son 1-3, enfin, genre, ouais, il passe rien. Perd la game, quoi. Il a l'air d'avoir un peu de vent, ça mange pas de pain. Ok, nice. Ah, tu peux faire les deux, hein. Je pense qu'on va faire fermier et penser éparpillé. Donc tu commences par penser. Il faut qu'il ait pas... Ah, bah il a déjà joué ses deux vengeances, son carreau. Ah, tu fais ça et ça? Moi, je fais ça et ça plutôt pour le mettre hors de portée de gestion. D'un drop 2? Enfin, d'un truc qui pique à 2. Ok, ouais, ça va, ça me va. Je peux lander? Ouais, c'est ça, ouais, vas-y, mets quand même ton land avant, ça mange pas de pain. Fly lifelink. Il est insupportable, Square. Hein. Ok. Fin de tour anti-bet. Tout le mal que je vous souhaite. Hein. Pensez éparpillé. Ça, c'est fort. Il faut qu'on passe ce tour-ci avec fermier désespéré qui peut attaquer. Et si ça connecte une fois, déjà, ça nous offre beaucoup de répit. Ouais. Il a micro cimetière, 2 landes, ok, donc il a peut-être trouvé beaucoup de landes. Ça veut au moins dire qu'il n'avait pas le choix sur ce qu'il devait prendre. Ouais, est-ce qu'il est capable de jouer 5 spells avec les trucs qui se cantrip, oui, mais est-ce qu'il les a déjà joués? Il a déjà joué 2, ouais. Et il a déjà joué 2 comme ça, donc c'est plus dur. Ouais, il y a un moment Square, tu vas t'arrêter là, quoi. Mais sinon, ouais, parce que le pour 2, j'exile 2, je peux les jouer, ça va vite, quoi. Avec autant de mana. Ok, une grosse menace. Il y a beaucoup de créatures. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, il gère pas ça, donc c'est le principal. Vas-y, pensez éparpillé en rituel, comme un grand. On va prendre ça. Bah, écoute, on va tout prendre. Et ça. Voilà. Parfait. On va pouvoir péter avec don de Cross à 2-1. Ouais, non, c'est un vampire. Ah, ok. Par contre, tu peux faire vampire. 2-2. Ah non, c'est un vampire ça? Non, non, c'est pas un vampire. C'est plus d'un vampire, -2/-2 à autre chose. Je peux buffer ça, hein, ça en fait une 3-6, ça bloque bien. Il a la menace avec... ça, ouais, je crois qu'on peut pas attaquer du coup par contre avec notre 3-3. Ah ouais, tu crois? Bah, si on attaque, on passe à 7. S'il détape, il fait cantrip, je gère ça, on a perdu. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que là, s'il fait attaque avec tout, on fait quoi? On bloque ça en tradant, on prend 4, 5, 6. On sera à 8 et il faut pas qu'il joue 2 spells. Si jamais on le laisse d'étape, on peut double bloquer. Est-ce qu'on n'est pas plutôt gagnant à faire ça? Ouais, on meurt sur, une gestion. Ouais, bon, on va accepter, non? En fait, si jamais... t'as un 4 et puis let's go. 5, 6, 7, 8. Ouais, en fait, si jamais je... Bah, si t'attaques, en vrai, on prend plus de risques que si t'attaques pas, non? En fait, si j'attaque et qu'il anti-bet, on meurt quand même, parce qu'il enlève ça, il a pile 8. Donc ça change. Ouais, rien. Donc vas-y, reste en bloc. Ça lui donne des mauvaises attaques, là, alors que si t'attaques, il a des attaques plus simples. Et s'il a anti-bet, bah, on accepte de perdre cette game, c'est pas très grave. S'il a pas anti-bet, on a de grandes chances de l'avoir gagné avec notre rituel sinistre derrière. Je mets des stops. Elle est intéressante cette game. Squirp. Bon, s'il n'a pas l'anti-bet, il faut qu'il aille le chercher avec ses jetons. Ça, ça nous fait gagner plein de PV le tour d'après, rituel sinistre, donc c'est bien. Une copie de n'importe quelle créature sur ma tech, ça veut dire que c'est un esprit en prototype. Ah bah c'est pas mal ça, une deuxième 4-4 menace. Ouais, mais c'est pas notre problème principal. C'est pas impossible qu'ils le mettent sur la 1-3 d'ailleurs. Je sais pas si c'est si bien que ça. But 12 cartes en bibliothèque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas combien il joue de land, mais il y a déjà 10 lands qui sont passés. Mm. Donc si jamais il joue 16 lands, ce qui devrait être le cas vu son deck, il y a environ une chance sur deux. Ouais, ça dépend ce qu'il a en main. Oh, Squirp, je t'en supplie, quoi. Il a pas d'attaque, hein, le poulet. Hein. Ah si, il a une attaque, ok. Bah, avec ça, ouais. Okay. On va le double bloc. Hein. Ah, de toute façon, ça menace, hein, donc on n'a pas le choix. Mmh. Il a un bounce. C'est pas très grave. Ok, super. Là, tu pètes la 4-4 et on est bien dans cette game. Mais vraiment, pas si mal, je dirais. Attends, ça fait quoi? Il se ping de 2 quand il l'engage. Il exile la carte du dessus et il peut la jouer. Ok. Et quand il joue une carte exilée, ça devient une 4-3 qu'il ne peut pas bloquer. D'accord. Ok. Eh ben, écoute, garde ce land pour le défausser. Ouais. On tient bon, on va l'avoir à la meule. On essaie, hein. Oh, les 3 PEV là, du lifelink qui régale. Ouais, et là, t'as encore 2 PEV de plus. Et j'ai 2 PEV avec ça. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, par contre, sur Antibet, je donne pas cher de notre peau. Bah, sur Antibet, on va prendre l'enfer, ouais, c'est clair. On est à 1 sur Antibet et sur double spell, on est mort. Dont un anti-bet. Mais il a déjà passé pas mal de spells, Coco. Il peut piocher les terrains. Comment? Il a déjà passé beaucoup de spells. Il peut... Ah, bon, voilà. Oula, mais attends, mais je sais pas vu ce que ça faisait, ça retournait. C'est débile. Au début de ton entretien, tu crées un jeton qui est une copie de la créature enchantée. Donc il peut le mettre là-dessus. Et à terme, il veut juste faire un spell et... Ouais. Une bonne petite rare qui va faire... Il va faire plein de 3-2. Ça devient une 4-3. Ouais, c'est pas... On n'est pas très bien non plus, quoi. Non, mais on peut... Ouais. Non, on n'est pas très bien, non. Là, c'est une 3-2 tous les tours. Ça devient une 4-3. Bon, ça, on le bloque, hein, limite. Mais c'est ça qui... En fait, c'est la combinaison de ça et tout ce qu'il fait à côté, tu vois, qui est chiant. Ouais, et puis il a fait ça tour 2, tu vois, alors qu'il en a un dans son pack, ouais. Donc on est un peu malchanceux là-dessus, quoi. Il a fait une 4-3 et une 3-2 tous les tours. Alright. Petite gestion, éventuellement. Ouais, bah attends, on va cycler. Hein. Un petit PEV. Ah, ça, on va le cycler aussi. Ah putain, c'est dommage, c'est un jeton sans ça. Hein. Ah ouais, mais bon, là, tu veux gérer son board, tu veux pas contrer une batte supplémentaire, quoi. Ok, nice. Ok, nice. Allez, ciao. Faut partir. Hein. Je bloque là. Là, il peut pas attaquer avec, donc... Il a un land en main. En fait, ça, je le bloque. Et ça, s'il attaque, bah, je le bloque, il est mort. 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non, en fait. Si je bloque ça... Non, il est pas mort. Non, mais bon. Je vois pas comment est-ce qu'on arrive à grind et à remonter, en fait. Pff, ok. Non, mais il y a des gens, ils draftent, ils sont très forts, quoi. Ils sont très, très forts. Alors, notre ami. Je crois pas qu'on veuille changer grand-chose. On rentre pas syncope pour ça, hein. On va pas rentrer syncope pour ça, non. Ça non, on va y aller comme ça. Ça va le faire. Yep. Non, mais juste à 1-3, on aurait pu avoir une gestion, mais s'il a horreur briscock, anyway... Oh, l'horreur briscock, quoi. Ouais, bah, il va falloir apprendre à les battre. Hein. Je suis en train de me dire, en vrai, c'est un format de bombe, mais ça va. Et on se prend ça, je me dis, ah ouais, bon... Après, tous nos oppos vont pas avoir horreur briscock. Non, non, non. Non, non, non. Ils ont autre chose. J'ai jamais affronté le loup-garou mythique. En draft. Ah, Caretaker. Ouais, si jamais quelqu'un durant cette vidéo veut se désigner. N'hésitez pas, nous on est là pour prendre toutes les bombes. Alors en vrai, nous on n'a pas ouvert une seule bombe dans les rares. On n'a pas pu rare pique une bombe. Ça nous, on nous a pas proposé de bombe. On n'a pas eu de Henrika ou de, tu vois, de cartes comme ça. C'est fou les gars, non ? Ça c'est bien ça. Gaëstéran, ouais, puisque c'est Glouton qui va être privilégié. Bah, je sais pas s'il faut pas lui mettre la pression. Genre les trucs à 3 en Q, il les gère pas très bien. Ouais, ok, t'enlèverais quoi alors? Plutôt les pensées? Ouais, peut-être les pensées, on en a deux. Ok, vas-y, vas-y, ça me va. Mais dis, si on fait ça tour 2 et qu'il le gère pas, ça peut... Tour 3. Ah, qu'il le gère mal. Tour 3, pardon. Ça peut être chiant. Ah, il est pas obligé, tu vois, ça. Bon, ça, c'est juste un de menace pour l'instant. Mais il a rempli. Ça fait partie quand même des trucs qui sont assez menaçants, on va pas se mentir. Bah ouais, c'est un early drop de late game. Après, on a de quoi le gérer, ce truc, hein, normalement. Ah ouais, on a don de croc, un mana noir, ça dégage. Il y a quand même un deck qui est très solide, hein, notre oppo. Ok, ça on s'en fout. Ok. Vas-y, on va faire ton plan, on va mettre là 2-3, on va commencer à bourrer en vol. On va faire voler la 2-3 et la 1-4, ça va devenir une 2-5. That is the plan. Et l'autre c'est une 3-2. C'est quoi qu'il a exilé là? Le truc contre les vampires. Ok, le truc nul. Ok, il perd du temps. Super nice. Okay. Bon là tu joues tout, hein, pas s'emmerder. Hein. Ah ouais. Faut qu'on le prenne en tempo quoi. Zou, il va faire land 3-1. C'est tellement fort ça. Dans le bon deck. Ouais c'est fort dans le sien quoi. C'est fort dans le tien, mais en termes de tempo, là, il a rien fait, quoi. Il a pas de pression, il a pas de... Non, mais il a une main pleine, nous, on a une île, quoi. Donc, s'il a de quoi redresser le board, ou être plus menaçant que nous, c'est... C'est vénère. Hein. Être plus menaçant que nous avec son deck, ça a l'air dur. Redresser le board, il a déjà perdu un effet... Un effet Varas, ouais, ça c'est bien. De toute façon, là, 2 dégâts à tout, ça ne tue que le porteur. Ouais. Et ça nous arrangerait même, quelque part. Non mais maintenant nous on va piocher avec notre artefact tranquillou, donc en fait on a qu'une île en main mais on a des trucs à faire quoi. Ouais. Ah mais là on a ce qu'on n'avait pas à la game d'avant, c'est de la pression. Ouais. Ok, 2 mana, on va activer le truc pour voir un peu ce qui se passe. Ok. Après, qu'est-ce que tu veux y faire si on trouve que des landes? Ah, c'est pas facile. Ouais, non, c'est bon. Bah, on va le piocher ce land en fin de tour. Tu veux que je dévausse mon île pour piocher mon mari? Bah ouais, ça nous fait enlever une carte. Ouais. Hein. Hop là, il va transformer sa 4-3. Ah non, ça trigger pas. Ah si, sur un land, ça marche aussi. Ah bah, c'est bien. Je crois qu'il faut qu'on fasse la course en fait. Bah ouais, là il a pas eu son pinger, donc déjà c'est cool. Ça veut dire qu'il doit passer par le board pour l'instant. Il fasse la course, il gagne pas de PV, faut aller le tuer en fait, le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. On a un bon bloqueur qui fait gagner un peu de points de vie. Un pour l'instant. Non mais même à cause de Horror Briscock, on sait qu'on n'a pas le late game. Oui, en personne n'a le late game contre Horror Briscock. Il est à 7, donc ça veut dire que le tour où il le joue, on a un tour, on va dire, s'il n'a pas beaucoup de spells. Ouais. Pour finir. Oh la Nanook. Putain, elle arrive, elle s'impose direct quoi. Il devrait y avoir des bans en draft. De quoi? Il devrait y avoir des bans en draft. Genre, tu vois la déclise de ton oppo, tu choisis une carte non-terrain et il peut pas la jouer. Ah, tu fais des pick et ban comme sur LoL quoi. Ouais, c'est ça. Juste une, c'est. Comme ça, si jamais il a plusieurs bombes, tu dis bon bah tu t'es gloutonné mon salaud, bien joué. J'en enlève une. Mais t'en as une de moins quoi. Ouais, mais typiquement, tu vois, dans les decks God Pharaon Gift, on t'enlève God Pharaon, bah t'as drafté tes portes pour rien quoi. Et ben ça t'apprendra. Non, par contre, que les designs des sets de draft, on décrète que certaines cartes ne sont pas légales en draft, genre Dream Trawler, Horror Briscock ou Ava Brick Caretaker, ça me choquerait pas. Il nous a pas montré de tricks, je crois. Hein. Ah si, il peut avoir 2 dégâts. Ouais. Toi, t'es joueur, toi, hein, coquin. Ah putain, il a son carreau. Ouais. Chier. En vrai, c'est un peu obvious quand il attaque, mais je me dis, il nous a montré qu'il avait tricks rituel. Je l'aurais pas bloqué. Ouais, je sais pas. En fait, quand il nous montre ces trucs en rituel comme ça, je me dis que il attaque pour faire passer des points. Mais bon, ouais. On l'a bloqué. On a connu ses 3 points. 2 points. Par contre, mes couilles. Chose que des landes, en fait, s'il vous plaît, le jeu. Please, en fait. De landes, je la concède. Non, on la concède pas. Non, par contre, c'est une catastrophe. Il y avait 6 landes sur le dessus du pack. Vas-y, bourre-le. C'est bien, on fait plus la course que lui, parce qu'il nous met 7 par tour, alors que nous on met 3. Ah non, c'est de la merde ce qu'on fait. Non mais ça on n'y peut rien, c'est pas de notre faute. Bah ouais. Ah bah là, les lose, hein. Il tue en 3 tours, nous non, et prochain tour on sait qu'on a aucun actif. À moins qu'il ait 6 terrains. Et même avec 6 terrains, je crois qu'il nous tue quand même plus vite parce qu'il peut. Mec, j'ai une somme, putain, on doit la gagner cette game. Bah ouais. Mais... On a pioché des landes en tout. Genre, on n'a pas joué avec notre main de départ là. On a pioché le porteur de lanterne et que des landes. On est tour 7. Ok, d'accord. Donc on a pioché 6 landes d'affilée. Est-ce que le 2-1, est-ce que le -2/-2 il nous aide là? Oui, il va nous aider. -2, il tue ça. Après la 3-3 bloque ça aussi. Elle bloque ça. Ok, bah vas-y, hein. Garde les 2. Hein. Et je peux pas, je dois en mettre au cimetière. Ah, bah alors l'esprit, parce que ça fait avancer la planche. Ok. Et si tu veux, tu peux aussi rester en bloc avec le 1-1, ouais. Avec le porteur. Ce que je vais faire. Mec, j'ai trop le il a joué. Oh, putain. Il a pris 9 minutes de plus que nous à la réflexion, alors qu'on est 2. Ouais. Et il va finir par gagner parce qu'on a trouvé 6 landes sur le dessus du pack. Oh, Shufflered. Ah, oh, c'est dur la vidéo draft, hein. Putain. Je suis un peu déçu. On a un joli pack contrôle. On peut largement battre ce qu'il fait. Il a bazardé son pinger, donc je te laisse deviner ce qu'il a pris. Ouais. Ça commence par Oreo Briscock, ça finit par nous. Attends, il l'a pas, hein? Non. Quand il fait exprès d'être aussi lent. Il doit jouer sur mobile, je pense. Genre, ça y est, je sale. Ouais, c'est un peu chiant. Tu te dis, bah, j'ai pas joué ma game, quoi. C'est bon. Ah, je vais juste regarder. Tu veux compter le nombre de landes sur le dessus de notre pack? Ah, cœur vide, hein, leur briscoque. Écoutez, c'est dommage, mais on a toujours l'opportunité de gagner les deux prochaines pour faire de 1. Et ça, c'est la prochaine vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Un max de soutien dans les commentaires parce que c'était un peu dur cette dernière game. Mais les deux d'avant étaient assez cool. Enfin, la première, il fait un peu une déesse adversaire, mais c'est pas grave. On joue à Magic, on le bat. Le milieu était sympa. Le milieu était sympa. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch, VAL&PL, Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.